Ici, nous nous trouvons au sein des ministères sociaux et je suis chef du département de contrôle budgétaire placé auprès de ces ministères. Le département de contrôle budgétaire, c'est un petit département, on est moins d'une dizaine dans l'équipe à peu près. C'est un métier donc de contrôle, comme son nom l'indique, mais aussi, et sans doute amené à devenir de plus en plus, un métier de conseil. C'est un métier qui requiert des capacités analytiques et donc intellectuellement est quand même assez satisfaisant, tout en étant un métier de contact et d'échange. Et on recrute par exemple de jeunes collaborateurs issus des IRA ou de jeunes contractuels. Et je constate en fait qu'ils progressent beaucoup et très vite en venant travailler auprès de nous. Je travaille à la direction du budget. La direction du budget, c'est mon employeur. Mais je le fais au quotidien dans les locaux des ministères sociaux et avec comme interlocuteur des directeurs, les collaborateurs des ministères sociaux. Parmi tous ces partenaires, il y en a un petit peu particulier qui est le directeur des affaires financières. Hélène Fanner, qui est la responsable de ce département, elle est là pour nous conseiller, mais elle est aussi là pour nous challenger. C'est un partenaire de discussion, de négociation. Les conseils qu'il va pouvoir formuler le contrôleur budgétaire, ils sont aussi très marqués par sa capacité, voire l'obligation qu'il a, de contrôler un certain nombre d'actes. Et je pense que ça assoit d'autant plus l'importance de ces conseils. Je pense que si je veux vraiment être efficace, il faut que je lui sois utile. Donc je fais très attention au retour qu'il m'envoie pour être certaine, par exemple, que mes analyses a posteriori vont aider le ministère à progresser. Moi, je suis épatée, franchement, chaque jour, du nombre d'idées, du nombre de sujets que mes équipes portent. En fait, et ça c'est vraiment fantastique. Et je dirais que je suis également étonnée par le fait que le ministère que nous contrôlons aujourd'hui vient très souvent au devant de nous pour nous proposer des sujets de travail en commun. Donc c'est vraiment, ça fonctionne, je pense. Une petite équipe comme ça a besoin d'être très très unie pour que ça marche et nous sommes très unis. Je pense qu'ils ont, enfin, il faudrait leur demander, mais je pense qu'ils ont beaucoup de plaisir à venir travailler aussi chaque jour.